Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonné pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, d'accord? Pour la période du 15 au 22 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo si vous avez envie d'avoir accès à la suite de cette lecture, mais aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonné, ok? Aidez-moi à avoir un trophée, thank you. Alright, cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Merci pour votre support et pour tous les commentaires que vous me laissez. On va donc commencer. Balance. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous êtes ici dans une période de victoire, une période très victorieuse, que ce soit autant dans votre vie financière que dans votre vie amoureuse. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous venez ici de signer un très grand contrat. Vous venez peut-être d'avoir certains documents que vous attendiez depuis longtemps. Pour d'autres, il est probable que vous venez juste d'ouvrir peut-être un deuxième business, un autre business, et vous avez l'impression que c'est un très grand pas que vous venez de faire. J'ai l'impression que vous êtes ici quelqu'un qui a su construire énormément dans sa vie. Vous êtes ici quelqu'un qui a su établir certaines choses dans sa vie et vous avez établi plusieurs choses seul, sans l'aide de personne. Et c'est l'une de votre plus grandes fiertés d'avoir pu vous en sortir seul dans votre vie. Votre plus grande fierté ici, c'est de savoir que vous ne devez rien à personne. Et j'ai l'impression que vous êtes ici dans une période où vous êtes enfin en train de sortir votre tête de l'eau. Vous êtes enfin en train de vous démarquer des autres. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici un artiste, il est probable que vous êtes en train de devenir célèbre. Ou encore que votre travail est reconnu par la société, par les gens qui vous regardent, something like that. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est sur le point d'ouvrir une boutique ou un store. On a ici quelqu'un qui, après tellement de mois de travail, on a ici quelqu'un qui est sur le point d'ouvrir officiellement une boutique, un immeuble, un supermarché. Et vous êtes vraiment fier de vous, fier de ce que vous avez pu accomplir. Yep. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans l'architecture, peut-être que vous venez enfin de finir de construire une maison, un hôtel.
Mais c'est quelque chose qui vous a pris énormément de temps. Si vous êtes ici ingénieur rural, si c'est français, il est probable que vous venez de finir un grand projet sur lequel vous étiez en train de travailler. C'est l'heure de la paye. Vous devez maintenant faire des calculs pour que la banque vous donne de l'argent, pour que le gouvernement vous donne de l'argent. Mais je vois ici quelqu'un qui est vraiment fier de ce qu'il a pu établir, ou encore de ce qu'elle a pu établir tout seul, ou toute seule, ou tout seul. À vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme dans cette histoire. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici célibataire et que vous soyez marié à votre travail. Vous êtes carrément marié à votre travail. Le plus important ici pour vous, c'est d'accomplir vos projets, terminer vos projets. Vous trouvez ici une joie dans votre travail. Vous êtes peut-être ce genre de personne-là qui n'aime pas être paresseux ou paresseuse à dormir et ne rien faire. You know, même si vous avez mal aux pieds, vous aimez quand même marcher, faire des trucs, nettoyer. Même si vous ne vous sentez pas bien, vous aimez toujours avoir les mains dans la pâte ou encore préparer, something like that. Je ne sais pas c'est qui ici qui est en train de se construire un atelier. Mais je vois ici quelqu'un qui est en train de se construire un atelier ou qui est sur le point de s'ouvrir un atelier. Je ne sais pas c'est atelier de quoi. Hein. Peut-être que vous êtes ici menuisier et vous avez ici l'art d'embellir les choses, l'art de construire les choses. Je vois ici quelqu'un qui travaille avec le bois. Le bois est très important pour vous. Donc peut-être que vous utilisez le bois pour créer certains trucs et ensuite vous les revendez. Mais j'ai l'impression que même si vous êtes ici dessinateur, architecte, artisan, votre travail est reconnu. Vous commencez à réellement faire de l'argent. Vous avez des clients. Vous pouvez vivre avec l'argent que vous faites de votre business. Soyez sûr de toujours payer vos taxes, mais sinon vous êtes heureux, quoi. Tout va plutôt bien. Oui, certaines parties d'entre vous, il est probable que avant d'avoir ici eu un certain succès, on a beaucoup de personnes ici qui vous ont abandonné. Vous avez été ici abandonné par plusieurs personnes. Plein de personnes n'ont jamais cru en vos rêves. Plein de personnes n'ont jamais cru en vous. Je vois même ici quelqu'un qui a décidé d'abandonner une société ou d'abandonner une certaine compagnie pour se concentrer sur son business. Supposons une certaine partie d'entre vous, si vous avez un certain âge, il est probable que vous avez envie de prendre votre retraite pour vous concentrer sur votre business. Here. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que voilà, vous avez maintenant un business qui est tellement bien bâti qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin de retourner à un certain poste ou encore de retourner dans une certaine entreprise. Ça ne vous intéresse plus. Vous avez beaucoup confiance en vous. Même si les gens n'ont pas confiance en vous, vous avez confiance en vous et c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui est le plus important. On a certains membres de votre famille qui vous ont abandonné. On a certaines personnes qui vous ont critiqué, des amis qui vous ont abandonné, des gens qui vous ont marché dessus, craché dessus. Mais pour une certaine partie d'entre vous, vous voulez laisser tout ça derrière. Vous ne voulez plus penser à ces moments de détresse. Peut-être que souvent ça vous revient en tête. Peut-être souvent vous pleurez parce que vous vous dites, si au moins vous aviez cru en moi, peut-être qu'on aurait pu partager ma victoire ensemble. Mais en même temps, vous vous dites, tant pis. Tant pis pour vous. J'ai aussi l'impression que vous êtes en train de célébrer une petite victoire, d'accord? Donc disons que si vous avez ici un très gros plan, un très grand plan, vous n'avez pas encore réellement accompli ce que vous cherchez à accomplir, mais vous avez ici fait un premier pas. Il y a une première victoire que vous venez d'avoir.
Et cette victoire-là, vous voulez la célébrer, même si vous devez la célébrer seul. J'ai aussi l'impression que vous ne parlez pas beaucoup. J'ai l'impression que vous ne parlez pas beaucoup avec certaines personnes, ou encore vous êtes en train de travailler sur certains projets en secret, vous ne voulez pas dire à qui que ce soit. C'est très important pour vous que certaines choses restent secrètes, parce que le travail bien fait se fait dans le secret, les plans bien faits se font dans le secret. Et le fait même que certaines personnes vous aient abandonné, c'est aussi un bonus pour vous, parce que vous vous dites que vous n'avez pas. Comment ça s'appelle? Vous vous dites que vous n'avez pas besoin de leur dire quoi que ce soit, quoi. Du moment que vous m'avez abandonné, au moins ça me donne une excuse de ne pas vous dire ce sur quoi je travaille. Mais je vois ici quelqu'un travailler sur deux projets. OK? Vraiment, il n'y a pas l'amour ici dans votre lecture. Je ne vois pas l'amour here. Mais je vais essayer de voir si nous n'avons pas un partenaire amoureux qui apparaît dans la suite que je vais poster sur Vimeo. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a ici Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire et Verseau. Bisous, bye.